Salut les gens, c'est Mister Assassin. Comment allez-vous? Moi j'ai bien. Aujourd'hui, on se retrouve en live sur Call of Duty Black Ops 2. Donc pour une petite vidéo en live qui va durer, on verra le temps que ça va durer. Si je prends du plaisir à la faire, comment dire, on la continuera. Donc on va faire on va faire de la domination. Pour changer, on va faire de la domination. Hop, donc on va prendre la MP7 pour rigoler. Donc je vais enlever le silencieux, je vais mettre chargeur rapide, en poignée avant. Hop là, et je vais laisser comme ça. On fera peut-être après des autres modes de jeu, mais pour le moment on va faire la domination. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire durant cette vidéo? De tout et de rien. Donc vraiment, on va voir. On va simplement jouer. Donc avec les kills, j'ai mis les kills strict là. Donc j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose de potable, sinon en courte partie je changerai d'arme. Et puis voilà, donc je vais vous parler de Game Dev Deacon. Donc c'est la série que j'ai commencé d'ailleurs, et que j'espère vous plaît. Donc j'espère qu'elle vous plaît, hein, bah, sinon je prendrai pas le temps de la faire. Mais j'ai eu l'impression qu'elle vous plaît, parce que sinon, je continuerai pas. On va essayer de faire un truc pas moche moche. Hop là. On va essayer, ouais, justement comme je veux dire, on va essayer de faire quelque chose de pas trop moche. C'est pas trop moche moche. Ah zut, dommage. Donc j'ai également parlé des compilations d'Electro. Donc je suis en train de... voilà. D'après une nouvelle, donc il va sortir... si je peux, durant la semaine. Justement, comme je l'ai dit, si je peux, elle sort dans la semaine. Normalement, elle devrait sortir dans la semaine. Donc là, on est jeudi, la date, je sais plus combien. Donc ça devrait être là vendredi, samedi ou dimanche ou lundi, parce que chez moi lundi. Ensuite, j'ai congé, donc peut-être lundi. Parce que, étant donné que j'ai congé, hop là. Donc, étant donné que j'ai congé, ça me laisse le temps de pour vous mettre une vidéo. Aïe. Justement, comme je le dis, ça me laisse le temps de mettre une vidéo. Et, vu que ça me laisse le temps de mettre une vidéo, comme ça, je peux upload et puis vous la proposer dans le temps qui suit, voilà. Voilà. Check. On va prendre A, essayer de pas mourir. Parce que là on est bien parti. Hop là. Alors son petit robot terrestre. Et l'aéronef. Super, parfait. On va le lancer, direct sur B. On va lui piquer son sniper. Bon, je suis nul avec le snipe. Voilà, je suis très très mauvais avec le sniper sur Black Ops 2. Sur MW2, MW3, ça va. Black Ops 2, j'y ai jamais joué. Donc je peux pas vraiment vous dire pour les autres. Pour Black Ops 2, en tout cas, Modern Warfare 2, j'ai vraiment bien joué. Mais sur Black Ops 2, le sniper et moi, c'est pas trop ça. Voilà, on va essayer de trouver du people. Bon, pour le moment, ah, dommage, j'ai pu le prendre. Il fait mal le taf. Donc voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'hier, j'ai joué et j'ai pu faire une game avec des abonnés. Donc même que j'ai que 14 abonnés, ça m'a vraiment fait plaisir le fait que, même que sur mes que 14 abonnés, j'ai pu... jouer avec eux, ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'ai joué avec deux, ça m'a vraiment fait plaisir, donc je fais une petite dédicace à eux. Voilà. Donc allez, j'essaie de pas mourir. Il va venir à droite. Non. Il est où? Je t'ai entendu. Le robot a fait mon taf. On va perdre A, on va essayer de bouger sur A et c'est sans mourir.
Putain, on va perdre Bimar. Aïe, 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 aïe. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, il a sprayé avec son SVU, mais c'est grave. Au moins, je fais pas une game trop pourrie. Non, on va en faire plusieurs. Ça fait un peu de contenu. On va lui piquer son scorpion ici. Ouf, il m'a ajusté plus vite. Donc, qu'est-ce que. Bah, je vais vous parler des projets qui sont à venir aussi encore. Bah, ce sera sur LA Noir. C'est un jeu de détective, mais c'est vraiment. C'est un peu à la. C'est le même qu'en fait GTA. Sauf que c'est un jeu détective, donc c'est. Donc, ouais. Donc, c'est un peu aventure. C'est comme GTA, c'est quasiment les mêmes graphismes. Mais. Sauf que c'est pas du GTA, c'est du LA Noir. C'est vraiment un jeu que je viens. Étant donné que ça se passe dans les années 1940 à Los Angeles, comme j'ai dit. C'est pour ça que c'est LA Noir. C'est à Los Angeles. Donc. Dites-moi si ça vous ferait plaisir que je fasse un let's play sur ce jeu. Parce que ce jeu est bien, j'ai déjà joué un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pour les raisons pour lesquelles j'y ai pas beaucoup joué. C'est parce que. Je me demandais si ça vous plairait que je fasse. Pardon, un let's play dessus, tandis que c'est un jeu que j'aime bien. Pour le peu que j'y ai joué, c'est un jeu que j'aime bien. Qui est sympa, hein, assez fluide. Ouais, c'est pour ça que ça me faisait envie de vous faire un let's play dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Oh non, il joue quand même pas avec ça. Bah si. Ok. On va se poser là. Et on va plus bouger, non, je plaisante. Par contre, on va perdre C. Boum, t'es mort. Je t'ai vu. Hop. T'es là. Ouf. Ah dommage. Dommage, j'ai retourné. Non, c'est pas. Je lui avais tiré dessus, après c'est retourné étant donné que bah justement je lui avais mis des balles. Ouais. Et puis bah ça il a pas trop plu que je lui ai mis des balles quoi. Bon. On va aller voir on va retourner là en bas. La flèche. Dans l'eau, super. Très utile, mais oui, bien sûr. Donc, je vais aussi vous poser la question, est-ce que vous aimeriez que je fasse un petit peu de vidéos sur Counter-Striker Source ou Counter-Striker Global Offensive? Parce que c'est deux jeux que c'est du Counter-Strike, hein, c'est pas, je sais pas vous mentir, donc c'est vraiment, mais j'aime bien Counter-Strike. C'est pour ça que je vous propose de temps en temps une petite vidéo. Ouais, de temps en temps une petite vidéo sur Counter Strike. Comment je peux jouer avec la SWAT? Comment il peut jouer? C'est comment qu'il joue avec? Hop là. Donc, il va être là-bas. Oh, c'est horrible. La SWAT, c'est la pire. Arme du monde, dommage. Bon, on gagne, hein. Il dit n'abandonnez pas, mais on gagne, donc ça va. On va le lancer sur A, comme ça au bol. Nickel, nickel. Non, oh non, regardez ce gars quoi. Il me voit arriver, il pousse sa clé mort et boum, je meurs. Super. Bah, il est aussi mort, mais quelqu'un dans la série, bah, il meurt aussi. Alors qu'on l'a eu avant. Ouais, ils sont là au fond. On va flasher. Et voilà. Bon. On va encore faire une petite partie parce que là, 41-11, on s'est plutôt bien débrouillé. C'est le même cas là qu'il cam. Bon. On va faire une game avec la haine. On va faire du point strat avec la N94.
Parfait, parfait. Allez, 94, c'est parti. Quitter, trouver une partie simple. Point stratégique. Voilà, donc avec Jack, ce serait pas mal. Avec la haine, on va mettre chargeur rapide avec cross et viseur. Bon, j'ai pas eu le temps de changer, c'est pas grave, on aura toujours les mêmes killstreaks. Allez, on s'est fait essayer de faire comme j'ai eu une bonne game parce que c'est le but, hein, sinon ça s'est arrivé à rien que je fasse du live. Bon, en plus, comme ça on peut voir que comme, on peut voir mon mauvais niveau, mais je vais essayer de refaire une bonne game. Si elle est trop mauvaise, c'est pas grave. Hein. Pour moi, le middle, hop, très important. Hop. On se pose ici. Il y en a un. Bon, j'ai pu le toucher. J'aurais peut-être dû continuer de tirer. Bon, les spawns, j'ai changé. Le point stratégique. Les spawns sont très très importants. Hop là, le switch sur le B23R. Wow. Oh. Je pense que... Oh, là c'est moi qui ai... Ouais, j'aurais 10 fois le temps de le tuer. Mais j'y suis pas arrivé. Jack est en point stratégique, une map où il y a beaucoup, beaucoup de conflits. On dépasse très rarement les... Super. Les 200 points. Vous pouvez voir là, on a pris, ils ont pris, puis on a repris, ils ont repris. Hein. Vous pouvez voir que c'est bon, on gagne quand même large là. Mais parfois c'est simplement d'un point sur ce point ici. Voilà, faut rester à bloquer. À bloquer le middle sur ce point. À bloquer le middle, ouais, dans le sens, empêcher les autres de monter parce qu'une fois qu'ils montent, bah, c'est un peu cuit pour. Voilà, j'ai bien fait de faire le petit switch là. J'en bloque le middle. Hop, super, j'adore les grenades IEM. On monte middle. Hop là, le foudroiement est débloqué. Bon, c'est vraiment, étant donné que je joue avec la haine, justement, le... alors je peux pas lancer mon foudroiement, super. Putain, il me remet une deuxième. Sérieux, on va les monter. Je devrais pas parce qu'après les spawns peuvent changer. Mais étant donné que je suis IEMisé, j'ai pas trop le choix. Ouais, c'est en bas, c'est parfait. Ça m'embête parce que si j'ai mes killstreaks, je peux pas le. Ils doivent être tous en bas. On va faire comme ça pour lancer ici. Je pense que c'est le gars qui est très FK. Bon, je vais aller le chercher. Ouais. Hop là, voilà. Vous pouvez voir, attendez que moi je suis, ben je joue à l'air là. Je dois pas aller sur le point, vous pouvez voir que le point depuis, depuis avant était tout long en conflit. Donc je vais pas aller dessus. Bon, hein, ben justement, ben, je suis à l'air et puis. Parce que j'ai bientôt mes. J'ai mes killstreaks là. J'ai mon robot terrestre et j'ai plus de balles. Quasiment plus. En tout cas, je peux pré chose ce point ici. Même si j'espère qu'ils vont pas me spawner dans le dos. On peut voir que sur le point d'avant, il y a eu aucun point qui ont été faits. Bon, c'est même pas manqué les 200. Mais je peux lancer mon robot. Non, 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 non. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? C'est bon, là, je suis chaud. Bon. On va, ils vont confier le point. Je vais pas aller le chercher. Faut que je pourrais. Voilà, c'est parfait. J'ai pu prendre le point. Ah, j'ai pu reprendre des munitions, c'est parfait. On va lancer sur middle. Hop là, c'est parfait. Donc, ouais. Donc là, je fais une plutôt bonne série. Non, ils sont pas là. Ils seraient déjà respawn. Je pensais pas faire une si bonne série là. Je fais du 15-13. Bon, il faut pas beaucoup de kills, mais killstreak, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je les ai débloqués. On va contourner. Je vais pas me prendre une balle depuis le fond. Non, je vais pas tirer.
Personne derrière, c'est bon. Bon, oh yes. Vu que c'est le point middle, c'est parfait. C'est exactement le point qui devait être sauvegardé. Je savais même plus que c'était middle maintenant, donc on va essayer de les pousser là-bas. Petit conseil, vous pouvez vous coller au mur et du coup vous courez plus vite. J'ai peur que je me prenne dedans par le dos. On va rester là. On le décale. Je fais gaffe de pas me prendre genre une décale ou un truc comme ça. Ou le. Oh, mais encore un de ces machins, j'ai une fois avec ces. Ah, ça va. Oula, ça m'a fait peur. Ouh, le sniper au fond. Je fais gaffe de pas me prendre sa balle. Faut que je pousse le spawn là, étant donné que c'est eux qui ont le spawn positif. Voilà, c'est bon. Normalement, le spawn est à nous. Ah non, même pas. Je crois que... Oh, ils ont le micro, super. Ça va pas m'aider. Mais j'ai pas encore moyen de. De faire mes petits kills là. Ah bon. Non, non, non. Ouf. Robot terrestre, c'est nickel. Je vais pas le lancer maintenant étant donné que le point va être celui du en bas. Si je le lance maintenant, le point va être dans le sens, ça va me servir à rien de le lancer. Dès que le robot peut pas descendre. Bon, ils ont une micro donc faut que je fasse gaffe à pas me griller tout seul. Bon, ils ont une micro donc du coup je suis tout le temps repéré. Puis quand si je les contourne là, ben voilà. Il m'a anticipé, dommage. J'avais fait une série de je sais plus, je devais être. J'avais fait une jolie série, ça je l'avoue. Là. Une jolie jolie série. Hop. Dommage. Drop shot qui est passé mais pas tout le long. Ouais, faut que je regarde mes killstreaks. Vu qu'après on repasse sur le. Mince. Le P P3 je crois. C'est un 2. Non. Ouais P3. Ou P4, je sais jamais. Dans la maison ici et puis ici. Je pourrais lancer mes killstreaks. Je vais descendre et je vais les prendre dans le dos. Le spawn est à nous ici, je crois. Voilà. Je le jump shot. Oh, j'ai fait un bon début, puis là je fais un peu n'importe quoi. Bon. Je peux les lancer, attendez qu'il va commencer à remonter en haut. Bon, je vais prendre le point normalement. Bon, c'est moi qui vais prendre les points. Là, c'est moi qui les ai pris, mais. Oh! Le robot, c'est nickel. J'ai remonté parce que il y a déjà quelqu'un sur le point pour nous. Je sais, je viens de tomber sur un joueur. J'aurais pas dû le jouer parce qu'il y avait le sniper. Heureusement que le sniper m'a pas ajusté direct. J'aurais eu mal. Hop. Non, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré parce que je fais une bonne game là donc. Non. Ah, c'est un ami. Quel endroit. Je peux lancer sur ici puis lancer là. Je vais monter sur le point. Bon, c'est à nous, le spawn est à nous. Bon, ça va arrêter. Ça doit être le spawn middle. Je fais. Prends les 200. Hop, ah non, ils ont déjà été pris. Alors, je sais pas où ils sont, c'est qu'il y en a. C'est le cas du P, du point. Hop, je vais me barrer. On attend de lancer mon petit robot. Hop, je peux récupérer les points. Oula, dommage. Alors, je fais une plutôt bonne game, je trouve. Je meurs pas trop de fois. Même si le commentaire est pas forcément énormément mouvementé. Je. Non, allez. Ah.
Le B23R en super gun. Bon, le Cap 40 est encore mieux, mais je l'ai pas encore redébloqué. Donc, je vais pas l'utiliser pour le moment. Hop. Ah, dommage. J'aurais peut-être dû rester sur la haine, mais bon. J'ai pas perdu grand chose. Hein. Hop. Bon, c'est bientôt la fin de la game. On va en faire une petite troisième ou pas? Je sais pas. Hop là, voilà. En mode Rambo. Il va arriver par là. Mais j'ai mon petit robot qui me protège. Ouh, il me protège bien là. Allez. Voilà. Bon, parfait. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce petit 50 tonnes de neuf vous aura également plu. Donc, j'ai bien aimé faire ce petit live. Petit live là. Je pense 20, 25 minutes, peut-être 30. Bon. Voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour encore plus de vidéos. Et je suis vraiment content de la jolie game que j'ai fait. Ça m'a vraiment été cool. Voilà. Moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.